Shema Israël Yahweh Eloheinu Yahweh Ahad. 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 Shalom, 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 Israël. Shalom, Skiblan. Shalom. Nous dit tout prophète yo, nous dit apôtre Daniel shalom, tout prophète yo, tout elle de yo shalom. Donc, Zamim Ender et Mickenson, je crois. Shalom tout le monde, Oshia, mon désir shalom. Mickenson shalom. Donc, Jean Dédian, étude nous pas le traité, je dis, c'est l'homme israélite et les cheveux longs. L'homme israélite et les cheveux longs. Mais avant même nous démarrer étude là, moi gon clarification moi veux faire Israël. Ma reprendre avant même nous démarrer étude là, nous gon clarification besoin fait. Nous-mêmes nous identifier nous selon prophétie à tribu de Lévi. Alléluia. Israël te gen 12 tribus. Et mais 12 tribus ça yo le que Abaya li choisi yo li ba chaque tribu yon symbole. Et tribu Lévi li ba tribu Lévi yon symbole. Moi ma pour Israël délivrance là pour nous joindre li c'est le que nous retourner dans loi que Abaya te ban nous yo. C'est là que nous retournons dans tout ça à battre ban nous en tant que peuple. Ça que me dit ça, moi remarqué gon sorte de débat qu'a fait concernant couleur drapeau, noir et rouge, bleu et rouge. Nous même qui c'est tribu Lévi, à battre pas ban nous bleu et rouge, qui pas ban nous noir et rouge. À battre ban tribu Lévi, un symbole. Et j'aime me sorte dire là délivrance là, n'a jeune li. Cela nous retourner dans ça Abaya te ban nou yo n'a joine délivrance à savoir loi yo Jean chaque tribu te représenté yo et tant que tribu Lévi en garder qui Jean Abaya dit pour tribu Lévi yo te représenté yo qui symbole Lévi te gagne li pour nous dans Exode 28 scribe pour nous un symbole tribu Lévi avant même nous démarrer étude de yo. Parce que c'est extrêmement important pour nous porter clarification ça. En lisant symbole tribu Lévi. Exactement. Encore une fois, Shalom Israël. Nous allons lire dans le livre Exode, chapitre 28, verset 15. Dans le titre, là, on va mettre le pectoral. Le pectoral. Nous qui faisons sport pour le salaire, nous allons faire pectoral. Nous devons comprendre. Mais là, pas le pectoral, ça ne peut pas être sourd. Exactement. Exode 28, verset 15. Tu feras le pectoral du jugement. Artistement travaillé. Tu le feras du même travail que les fautes. L'île en créole pour nos scribes là. L'île en créole. Nous devons nous bien comprendre qui symbole Lévi. Symbole Lévi, c'est pas bleu et rouge. Symbole Lévi, c'est pas rouge et noir. Symbole Lévi, c'est ça scribe là pour l'île. C'est le symbole Lévi, c'est avec nous identifier nous. Mais il y a des problèmes où on est président, ou choisit bleu et rouge, ou président, ou choisit noir et rouge, ça c'est vous-même. Mais Abaya. Mais qui ça a choisi pour Lévi? Exode 28, verset 15. Ou a fait un plastron pour yon mette bagay à servi pour chercher koné, ça a baya vle. C'est un bon artiste qui pour faire travail baudri ya, tant coup pour gilet ya. Ou a fait un lor. Ou a fait un lor à toile supérieure pour les blés. Couleur bleu, violette, rouge, ensemble avec toile fin, blanc, tissé bien serré. Plastron va mesurer 9 pouces carré, la doublée. Ou a bouté 4 rangées pierres sous lit. Dans le premier rangée, va gagner une pierre roubi. Ouais, il dit comme ça, il y a 4 rangées pierres. Si nous sommes capables de voir un symbole, héritage de Jacob, là, il y a 4 rangées pierres là-dedans. Il y a 4 rangées de pierres, libre nous. Il dit nous comme ça, verset 17. Ou a mouté 4 rangées de pierres sous lit. Il dit dans la première rangée, il y a une pierre roubi, une pierre topaz, et une pierre émeraude. 18. Dans la deuxième rangée,
va gen yon pierre malachit, yon pierre safi, ak yon pierre diamant, verset 19. Nan troisième ange a va gen yon pierre opal, yon pierre agate, ak yon pierre amethyst, verset 20. Nan quatrième ange a va gen yon pierre chrysolite, yon pierre onyx, ak yon pierre jaspe. Ya moute tout pierre sa yo, chaque sou yon moso l'or. Verset 21. Li vague 12 pieds ak nou branche fomi peuple Israël. A gen 12 pieds, chaque pied sa a gen nou yon tribu. Li yon nou sou chaque pied. Ya gravé nou yo tan kou le orfèvre a gravé bag. Kounya ki sa abaya pral di Moïse pral di Araon pou yo fè avec schéma ça qui gen 12 pieds. Pierre ça au gravé sous l'eau, quatre rangées, qui ça le va dire pour le faire ensemble avec lui? Exode 28, verset 29. Les Araons va entrer dans le côté qui a pas pour Abaya, la porte nombreuse, famille peuple Israël sous quelle? Sous plastron. Comme ça, Abaya pape, j'oublie. Verset 30. Ou mettez dans plastron, ou rimio, ak tout minio. Comme ça, Araon va porter au soukel. Vous entendez, Araon va porter au soukel. Et ça fait, rad qui était sous Araon, rad qui sous principaux sacrificateurs, li gen symbole ça. Symbole ça, nous, qui c'est symbole héritage de Jacob là, qui gen quatre anges de pierre. Chaque pierre, ça a gravé sous l'eau, il représente yon tribu. Araon porter le soukel, ça veut dire, à tribu Lévi, li porter toute tribu Israël. Yo fini texte là? Verset 30 encore, il dit. Ou a mette nos plastron ou rimio ak tou minio, kon sa Araon va poter yo sou kel le la paret devant l'hôtel Abaya. Le la campé devant l'hôtel Abaya. La toujou poter sou kel sa li servi pou fè pèp Israël la konne volonté. Alléluia. Konya rapide pour chercher pour nous sagesse, mais pour faire konya sagesse et 28 verset 24. Ça veut dire tribu Lévi li identifié avec 12 pierre, pas manger les pierres, eh bien, 12 pierres ça, 12 pierres ça, qui représentait 12 tribus israéliennes, c'est ça qui symbole Lévi. C'est pas drapeau bleu et rouge qui vient palmis, c'est pas drapeau noir et rouge qui vient et l'autre symbole, mais c'est 12 tribus avec 12 pierres, c'est ça qui symbole Lévi, c'est la dalle pour nous tourner. Si c'est prophète Acha qui président, si c'est sister Aouna Batlevi qui président, livre bleu rouge, dit bleu rouge, dit livre bleu noir rouge, dit bleu noir rouge, dit. Mais nous-mêmes, nous devons tourner dans la loi Abaya. C'est là que nous avons une parce que Abaya, il choisit tribu Lévi, et il baille tribu Lévi, il y a un symbole, et même dit symbole ça, il représentait 12 tribus Israël. On est à nous parler dans Sagesse 28, dans le verset 24 scriba ou ban laya pour nous capables de finir avec question ça et puis pour entrer dans le sujet. Sagesse. Sagesse 18, verset 24. Car sur sa robe talère était le monde entier. Les noms glorieux. Robe talère, là, c'est robe qui était sous Araon. Lis pour nous. Il dit car sur sa robe talère était le monde entier. Les noms glorieux des pères étaient gravés sur les quatre rangées de pierre. Et sur le diadème de sa tête, il y avait ta majesté. Ça veut dire, sous Rob Araon, tout peuple Israël là. Alléluia. Ça fait tribu Lévi, pas de quel délivrance sans Lévi, et nous ça dernièrement. Délivrance là, doit être faite avec Lévi, parce que Lévi, c'est lui qui gère spiritualité. Donc, vrai symbole là, c'est 12 rangées de pierre et 4 rangées de pierre, yo. Qui gagne un pierre pour chaque tribu, et c'est à lui-même héritage de Jacob identifié. Regardez dans le symbole héritage de Jacob, là, après quatre rangées de pierres, chaque pierre représente une tribu. Et puis en l'air, on a un chandelier sept branches, non, qui c'est sept communautés israélites qui étaient dispersées, que nous connaissons les chrétiens, c'est sept l'église, mais c'est pas sept l'église, vrai, c'est des israélites qui étaient dispersées, et ça fait l'olive dans Apocalypse 1er verset 20, il y a tout sept l'église, c'est sept chandeliers d'or, que nous gagnons dans ce symbole héritage là. Donc nous devons clarifier ça. Ouvre le président, ouvre le bleu rouge, prends le bleu rouge. Ouvre le noir rouge, prends le noir rouge. Mais nous, même Israël, c'est ça à battre là. C'est là dans la tournée.
Et puis scribe ba ou ben la ya, nous pas l'entrer dans l'étude nous qui c'est l'homme israélite et les cheveux longs. D'abord, on nous lit texte là. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 14 et 15. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 14 et 15. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Nature, est-ce qu'elle pense que son route pour garçon de longs cheveux? Mais fille à lui-même, cheveux longs, l'idée comme voile. Texte, le christianisme est sous les gens qui veulent Israël. Texte, le christianisme dit ça, vous voulez sous est-ce que ça, apôtre Paul dit, l'idée de pour Israélite ou pas qu'à gagner cheveux longs? Est-ce que ça, apôtre Paul dit, de pour son femme israélite ou pas de voir les têtes? On nous lit, depuis verset 3 arrivé verset 15, pour nous, qui ça t'a dit? Et puis la Bible, Israël, pas mettre toute bagaille clair pour nous. Lis. 1 Corinthiens chapitre 11, la conseil à partir du verset 3. 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Abaya est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Abaya, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Abaya. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Abaya sans être voilée? Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme de porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Abaya. Alléluia. Alléluia. Premier remarque pour nous faire Israël, apôtre Paul a statué une hiérarchie. Où il commençait à dire Abaya, c'est chef Yahawashai. Yahawashai, c'est chef. Tout garçon. Et puis garçon, c'est chef, mesdames. Yahawashai, il n'y a pas de jambes déshonorer chef, li, qui c'est Abaya. Parce qu'il t'a toujours dit, je suis venu faire la volonté de mon père. Mais en pile fois, Israël, il a déshonoré chef, yo, qui c'est Yahawashai. Il a marché sous tous côtés, fait des ordres, fumé buzz. Donc, l'on agit comme ça ou déshonoré Yahawashai. Eh bien, mesdames, yon tout, en pile fois, yon déshonoré Mario, souge Mario. Eh bien, ou sorti avec Maria ou nan assemblée à tête ou pas voilé. Les têtes ou voilé a son signe de respect qui est lié pour Mario. Mais le on d'un cas avec Mario, c'est pour dévoiler tête là pour Maria capable de beauté ou. Donc, qui ça, texte a dit? Est-ce que texte a dit, garçon, pas de noir, gen long cheveux? Est-ce que dit mesdames yo pas droit voilé? Pas lié Israël. Lit quoi maintenant son lettre que lié. Et nous te dit ça, yon lettre son message qu'on adressé à yon moun ou du moins yon groupe moun de manière écrite. Moi même qui voye message là, c'est moi même qui non, qui communicateur là qui communiquer message là qui voye message là.
moun ka recevoir message là, c'est lui même qui récepteur là, c'est lui qui recevoir message là. Donc non, lettre que m'adresser à moun là, li pas forcément si m'adresser une lettre à scribe baou, et mais sister Aouna bat levi pas gagné pour ouer avec lettre ça. Si m'adresser une lettre ba apôtre Daniel, et bien prophète Malakai pas gagné pour ouer avec lettre ça. Parce que dans l'être là, après, mettez nom, mettez moun qui a recevoir l'être là. Mais l'être ça, que Paul adresse à moun corrétio. Pas oublier l'autre, la Bible, des six livres de loi. De Genèse à l'Apocalypse, il y a toujours dit loi de Moïse. C'est parce que c'est Moïse qui bat la loi. Et ça fait un peu rapidement pour nous dans Exode 24, verset 12. Israël, t'as les paroles là-bas après le mettre toute bagaille claire pour nous. Et puis tout Israël, il t'a comprendre. Exode 24, verset 12. Mm-hmm. L'Éternel a dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Vous entendez? C'est Abaya qui baille loi à travers Moïse. Paul pas baille loi. Jérémie pas ba loi, Isaïe pas ba loi, Abraham pas ba loi, c'est Abaya qui ba loi à travers qui est? À travers Moïse. Ça veut dire yon lettre pas yon loi. Yon lettre son message ou adressé. Mais pour qui ça Paul écrit moun correct yo? D'abord, on nous identifie moun correct yo Israël qui est yo? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 à 3. On garde pour nous qui est ce. Nous pas venir faire Jésus a tombé. Non, nous pas venir faire ça là. On avance. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 1 à 3. Mm-hmm. Paul appelé à être apôtre de Yahawashai, mm-hmm. c'est Christ là, par la volonté de Abaya et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Attendez, pour l'adresser lettre là à l'église de Abaya. Communauté, ça qui te trouvé à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Yahawashai, c'est par vocation. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur, Yahawashai, mm-hmm. leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Abaya, notre Père du Seigneur, Yahawashai. Mounsayo, Skribaou, qui à Corinthe, qui est sur lui? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est américain? Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est haïtien? Qui est-ce que c'est arabe. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Pas oublier, Paul adresse à mon Corinthiens. Qui ça dit mon Corinthien, frère? Dit, frère, mm-hmm. je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Israël, s'il vous plaît, écris un balaïf là pour moi. Fini. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. S'il vous plaît, Israël, écris pour moi qui est ce groupe monde qui t'a traversé la mer rouge là. Parce que Paul a parlé avec mon Corinthien, il dit yo comme ça, papa nous yo te en bas nuée, yo te traversé la mer. Kounya, s'il vous plaît, aidez-moi comprendre qui est ce groupe moun qui te traversé la mer rouge là. C'est avec yo pour la parler. Merci en pile cet miracle Salomon Israélite yo li. OK. Il dit qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alléluia! Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ça! Maintenant, la Jules, Amanda, et bien nous, Mounsa qui était à Corinthe, c'est Israélite. C'est vrai. On prend le deuxième texte qui a confirmé ça pour nous. Scribaou, Banaria. Lis pour nous, non? Et acte 18, verset 1 et 2. Acte 18, verset 1 et 2. On nous garde qui est Mounsaote. Nous disons que c'est Israélite. Ça veut dire, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 11, non? Pour la parler avec les Israélites, Mickelson. Lis. Acte, chapitre 18, verset 1 et 2. Après cela,
Paul partit d'Athènes. Athènes, c'était ville grecque. Et se rendit à Corinthe. Vous entendez? Il qui voit l'aller? À Corinthe. Lui, il y trouva un juif nommé Aquilas. Vous entendez? À Corinthe, il rencontrait un juif qui est Aquilas. Originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Ça veut dire que tu es un juif. À Rome, tu es un juif à Corinthe. Donc, moun sa yo que apôtre Paul Israël a parlé ensemble avec toi, yo c'est Israélite. Pas ni à sortir de là. Mais maintenant, Corinthe, c'était une ville dans un premier temps que grec yo t'a dominé après Roméo, les bac grec yo pravin prend domination nan mes grec yo. Et mes grecs, et Roméo Israël, yo fameux pour femme toutouni, garçon toutouni, femme prend femme, garçon prend garçon. Et jusqu'à jeune aujourd'hui, descendant yo a ces mêmes pratiques ça que yo gagné. Si n'a regardé Jean héritage de Jacob, apôtre Daniel toujours dit ça. Nan jeu olympique yo n'a ouais femme prend femme, garçon prend garçon, en pile corruption fait. Parce que Corinthe c'était une ville grecque, son ville qui était vraiment peuplée. Son ville qui te grand pile activité, te grand pile corruption à Corinthe. Donc Paul li adresse à moun Corinthe. Yo reli pour nous 1 Corinthiens 11, verset 14 et 15 encore ce que Baruch. 1 Corinthiens 11, verset 14 et 15 Israël. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Le Paul dit ça, qui ça te gagne à Corinthe? Te gagne au temps que tu spécialement dédié pour prostitution, te gagne déesse, te gagne adore, qui c'est déesse aphrodite là. Eh bien, mesdames, yo, Léon dans le temps, ça, toutes mesdames, yo, coupé cheveux. Quand y a Léon coupé cheveux, Paul Pralbescu font différence entre moun ka fait prostitution à moun qui c'est Israélite. Pas oublier Israël, t'es gen en pile temps qui passe Israélite yo fait dans territoire ça. Et bien, l'on fait dans territoire ça pour prendre même coutume avec grec yo. C'est même gens l'ont fait yon Israélite, États-Unis, la France, Canada, li automatiquement adopté même coutume à moun ka vivre dans territoire ça. Et bien, monsieur tout, yo te kon pratiquer ça ou les homosexualité. Et bien, monsieur qui t'a pratiqué homosexualité, yo te qu'on a quitté cheveux, yo poussé, pour tous les femmes, et puis mesdames, yo même tous les garçons. En nous lit texte ça, pour nous bien comprendre qui ça t'a passé à Corinthe, et ce qui va bon là, y'a. Corinthe, nous allons lire sur Corinthe, là, qui ça t'a gagné. Corinthe grec, Corinthos, non, en grec, était une cité-état, police, en parenthèse, situé sur l'isthme de Corinthe. Tandis oui, qui s'est passé à Corinthe? Là, ben nous historiste ville là, qui côté ville là trouvé, et puis qui genre de pratique qui était gagné à Corinthe? Et nous pas comprendre pour qui ça Paul dit ça le dire. Ça Paul dit en dit pas une loi. Son seul monde qui bail loi. Bail loi à travers Moïse. Qu'on y a pour qui résout Paul écrit ça? Nous pas le problème qui t'a passé à Corinthe là, Paul pas solutionner un problème. Mais ça n'est pas de manière générale et nous pas comprendre valet Dieu qui t'est dans la Bible. L'aime dit Dieu de la valet chef et très secte dans la Bible. Il dit Corinthos était une cité-état située sur l'isthme de Corinthe, l'étroite bande de terre qui relie le Péloponnèse à la Grèce continentale. La Grèce continentale, parce que ville ça dans un premier temps était dirigée par les Grecs. Et nous parlons ça, lit. Entre Athènes et Sparte, la ville moderne de Corinthe se trouve à environ 5 km au nord-est des ruines antiques. Depuis 1896, des fouilles archéologiques systématiques menées par l'école américaine des études classiques à Athènes, American School of Classical Studies of Athens, ont révélé de grandes parties de la ville antique. Et des fouilles récentes menées par le ministère grec de la culture ont mis en lumière de nouvelles découvertes archéologiques sur la cité. Corinthe est l'une des rares grandes cités grecques de l'Antiquité à n'avoir jamais développé de politique impérialiste. Elle cherche surtout à s'enrichir par le commerce et défend sa liberté face aux intentions hégémoniques Israël, des autres cités grecques.
puis contre les velléités macédoniennes, achéennes et enfin romaines. Mm-hmm. Après sa destruction par la République romaine en 146, Roméo, parmi Roméo, t'as pas le crasé grec, c'est sa prophétie à dire dans le livre Maccabéo, la cité ressuscite sous l'Empire romain et prospère grâce à la colonisation et à la Pax Romana. Ni Roméo, ni grec, c'est même pratique, ni français, ni américain, ni canadien, même pratique, li. Avant d'être à nouveau éclipsé à la fin de l'Antiquité tardive, la Corinthe antique était une des villes les plus grandes. Vous entendez, c'est une très grande ville que Corinthe était. Tendez bien, oui, Israël, lui. La Corinthe antique était une des villes les plus grandes et les plus importantes de la Grèce, avec une population de 90 000 âmes environ. Vous entendez, ça me donne, dis-nous, son ville grecque était. On ville grecque le dit. Partagez live là Israël. Partagez Israël. Avec une population de 90 000 âmes vers 400 AVJC. Et avant Christ là. Avant Yahushua. Lors de la refondation en 44 AVJC, les Romains construisent une nouvelle ville sur l'ancienne. Et en ont fait. Et en ont fait la capitale de la province de la Grèce dans les décennies suivantes. À l'époque de Paul, à l'époque de l'apôtre Paul, tendez Israël, les prostituées avaient les cheveux courts. Vous tendez si c'est bien là. Dans l'époque Paul, la prostituée qui tape, n'entend pas faute, là, ils ont été coupés cheveux. Qu'on y a Israël qui fait dans le territoire ça, ils ont pas fait même bagarre là tout, ils ont pas coupé cheveux. Qu'on y a l'on paraît pour être tout le monde c'est même bagarre. C'est pour ça les jeunes aujourd'hui, dans tant ça que la vive là. Libre entendu. À l'époque de Paul, les prostituées avaient les cheveux courts et ne se couvraient pas la tête parce que la coutume voulait. Vous donnez prostituées, ils ont des cheveux courts et ils pas qu'on couvrir tête yo. Mesdames, vous pouvez faire comme ça tout. Et puis, monsieur, vous pouvez quitter les cheveux poussés pour vous proposer des demoiselles. Li et Bible a dit nous ça. Parce que la coutume voulait que les femmes se couvrent la tête. Celles qui ne le faisaient pas étaient associées aux prostituées. C'est pour ne pas couvrir la tête tout dans l'époque, ça, vous automatiquement associé à prostituer Israël. Li. Comme cette situation était propre à Corinthe. Ainsi, la Corinthe grecque avait été détruite puis refondée 100 ans plus tard. Mais en tant que colonie romaine, la principale source qui nous informe de ces prostituées sacrées est le géographe grec Strabon, 64-63 AVJC, 24 APJC. Strabon, qui c'est géographe là, a beaucoup voyagé. Géographe là qui a parlé, oui, attendez. Il rapporta ce qu'il vit dans son ouvrage. Entendez qui sa géographe là dit dans le livre que lui écrit sous et Corinthe. Strabon a beaucoup voyagé. Il rapporta ce qu'il vit dans son ouvrage Geographica. Ouvrage Geographica. Voici ce qu'il dit. Et le temple d'Aphrodite était si riche qu'il possédait plus de milliers d'esclaves, de courtisanes, qui étaient à la fois des hommes et des femmes dédiés à la déesse. Nous entendez, t'es une femme, t'es un garçon, qui dédié à qui ça? À la déesse. On ne pas ça encore pour nous. Et le temple d'Aphrodite était si riche qu'il possédait plus de milliers d'esclaves, de courtisanes, qui étaient à la fois des hommes et des femmes dédiées à la déesse. Monsieur Sao, qu'on y a qu'à proposer Tololo, cheveux, yo quitte cheveux longs. Et puis, mesdames, yo même, yo coupé cheveux. Fini le texte, non? Prenez note du temps au passé de la citation. Strabon écrit cela 30 ans avant la lettre de Paul. Vous entendez? Ça veut dire, pratique ça au temps là. Et puis, les Paul pral écrit, Paul pral écrit juste après. Li? Oui, Strabon écrit cela 30 ans avant la lettre de Paul et il se réfère non pas au temps présent, mais aux temps anciens du passé de Corinthe. Plus loin, il écrit, la cité des Corinthiens était alors grande et riche. Les mots-clés sont, étaient alors. Par contraste, à l'instant où il écrit, il voit au sommet un petit temple à Aphrodite. Ça veut dire, les Strasbourg qui s'écrivait, un géographe là, c'est ton petit temple tout petit, c'est pas gros temple qui t'a gagné, non? Fini le bout d'un dé.
Il voit au sommet un petit temple à Aphrodite et non le temple d'Aphrodite. Qui? Avec ce pas gros temple que le te wè. Avec dit m'a besoin d'un gros temple qui s'est passé Israël. Et le nom et non le temple d'Aphrodite qui était si riche qu'il détenait plus de 1000 esclaves. Ça veut dire qui ça? Mesdames, vous coupez cheveux, mesdames prostituées, monsieur même qui tes cheveux non. Quand il y a Israélite qui fait notre territoire ça, yo fin a fait même pratique là. Monsieur la gen dans tololo qu'on a nous est valé Israélite frère nous qui dans tololo qui dans zébol cassé. Nous est valé Israélite c'est nous qui n'a pas pratiqué ça les prostitution. Et mais c'est même bagarre là qui a passé à Corée. Qu'on y a en dedans qui ça Paul t'a écrit mon Corinthiens dans 1 Corinthiens 6 verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 11 en dedans qui ça Paul t'a écrit Israélite ça qui ça dit yo. 1 Corinthiens 6 verset 9 à 11. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. Vous entendez? Ni les quoi? Ni les homosexuels. Et version après on mettait efféminés. Efféminés, hein, c'est des hommes qui des pratiques femmes qui agitent pour femmes. Mais dans la version ça qui dans le au clair, on mettait ni les homosexuels. Ni? Verset 10, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Abaya. Verset 11, et c'est là ce que vous étiez. Vous entendez? C'est quoi? C'est là ce que vous étiez. Paul dit mon Corinthiens, c'est ça nous t'es. Qui ça t'es? Oui, pour vous, ni les efféminés. Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Abaya. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Ça veut dire Israélite, ça, vous pas oublié, non, le livre avec nous sommes fait ça. C'était Israélite. Et mais Israélite, ça y est, m'a fait tout lolo tout, gené yo qui t'a fait prostitution tout, qu'on y a monsieur, la gué cheveux au long pour yo ka plus semble la femme, et puis mesdames yo coupé cheveux yo. Fini le texte, non? Verset 11, non? Verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Vous entendez? C'est ça, nous qu'on y a, le fait que Yahwacha est mouru, moun sa yo, yo lavé, li. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Yahawashai et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Traversez le chapitre 11 dans le 14, 15 dans pour nous. Qu'on y a apôtre Paul, pour dit pour ça, non? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, 15, qui ça le dit? 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Bon sens, que est-ce que bon sens pas apprendre nous lit? Oui, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Est-ce que les Paul dit comme ça, son honte pour garçon de longs cheveux? Est-ce que Paul a parlé de manière générale? Non. Paul dit ça pour monde qui était correct yo, et nous parlerons nous compte même Paul pour te parler Paul de Dieu d'Israël. Oui. Nous parlons, nous coûte ça, Bible, la dit tout bagaille clair pour nous. Les Paul dit ça, il pas dit ça pour tout Israélite, quel que soit côtoyé, mais il dit ça pour Israélite qui t'a accordé, qui au fil de dans la moralité. Mais que c'est une gloire pour la femme de porter. Est-ce que qu'on y a, fini? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Les Paul dit comme ça, cheveux chia, il y a le pouvoir là. Est-ce que dit nous parlons de voiler tête nous? Pas oublier. Cheveux, c'est lui qui fait gloire fia devant garçon. L'emgad madame moi m'gèl goun bel cheveux, nan tête li, m'sentim fier. C'est ça que tout fia, li gen cheveux a combien gloire. Mais apôtre Paul pas dit ça pour fi pas voiler encore. Li dit ça par le fait que mesdames afro qui t'a pratiqué bagay afro dit que prostitution, yo te kon gen cheveux coûte. Li dit ça pour inciter mesdames yo qui te cheveux yo pousser. Pas fait même j'avais mesdames prostitution. C'est ça la parole. Kounia, verset 14 là encore pour nous. 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Ok. Est-ce que Kounia Paul dit Israélite qui n'a pas de longs cheveux?
On regarde le premier monde qui très fameux en dans Bible, qui te gen cheveux tressés, qui te gen cheveux longs. S'il te présent, je ne j'en dis nous t'a dit le rasta, mais le parasta, vrai. Il n'y a pas rasta, non? Cheveux poussent, elle a des longs cheveux. Rasta, sur l'autre bagaille, nous apprenons l'esclavage. Plus qu'à Benjamin, qui c'est Jamaïque, qui a appelé dit rasta, rasta. Pas rasta. Mais cheveux ont été tressés, qui semblaient à Moun Kapdio, c'est rasta. On nous lit, Juge 16, verset 19. Juge, chapitre 16, verset 19. Ça, Paul te dit, elle pas dit de manière générale, il te dit pour résoudre un problème. Lit. Juge 16, verset 19. Mm-hmm. Elle l'endormit sur ses genoux. En parlant de Dalila. Et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses. Il rasait sept tresses, Samson te gagné. La tête de Samson. Samson te gagné sept gros tresses. Gros bout de toto tresses, Israël. Et pas de tresses bagaille. Ti bay filion zopopéo, non? Sept gros tresses. Alléluia. Pour qui raison? Où est le verset encore? Juge 16, verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Okay. Il perdit sa force. Pour y a Samson, t'as dit sept gros tresses. Nous pouvons voir un nègre qui fait bagaille, il rasta. Il y a des gros cheveux, gros ailes, gros dans la tête. Pour qui raison, Samson, il t'a dit sept tresses dans la tête? Lis pour nous, Nombre 6, verset 1 à 5, en nous un côté sa sorti. Qui raison que fait Samson te gen 7 gros tresses sa yo? Lis. Nombre, chapitre 6, verset 1 à 5. Dans le titre là, il y a pour y mettre Israël, loi sur le Naziréat. Mm-hmm. Nombre 6. L'Éternel y a parlé à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres. Nous tenons un homme ou une femme. Ça veut dire, je veux ça, garçon te kafel, femme te kafel. Moi, je suis une bonne tribu, une bonne israélite qui peut qu'on jouer les vies pour les vies, mettre bagaille d'aplomb pour eux. Quand tu dis, fille pas ceci, fille pas cela, fille pas enseigner, aux filles, mettre fille sous côté. Non. Vous tenez Venezuela, à femme te kafel, garçon te kafel. Lis pour nous ce qui parle. Verset 2. L'Éternel y a parlé à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsque un homme ou une femme, un homme ou une femme, lit, se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, mm-hmm, pour se consacrer à l'Éternel, mm-hmm, il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante. L'on fait vœu ça, ou pas boire du vin, ou pas boire gros alcool du lit, il ne boira ni vinaigre, fait avec du vin, mm-hmm, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Mm-hmm. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, mm-hmm, et il ne mangera point de raisins frais, mm-hmm, ni de raisins secs. Mm-hmm. Verset 4. Pendant tout le temps de son naziréat, pendant toute période d'y faire vœu, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne. Il ne va pas goûter alcool même. Il ne va pas dire nous ne pouvons pas boire alcool, nous ne pouvons pas faire vœu. Depuis la pépé jusqu'à la peau du raisin. Mm-hmm. Verset 5. Lis. Pendant tout le temps de son naziréat, pendant toute période là, le rasoir ne passera point sur sa tête. Il ne va pas couper cheveux. Ça veut dire qu'il ne va pas couper cheveux. Ça veut dire là. Ouais, manou garanti, quitte script ba ou fonti tan pa couper cheveux grandi, pa passer fouche là-dedans. Y a vinn wo et puis y a vinn automatiquement faire lox. C'est vrai. La vinn dread, la vinn lox. Oui, verset 5 là. Verset 7. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître, qui veut dire grandir librement ses cheveux. C'est raison ça qui fait Samson te gen gros sept tresses dans tête ni. Israël, bon moi si nous soumets nous, bon moi si nous suivons l'héritage de Jacob, combien moun nan Bible encore connaît te gen Dieu qui te gen cheveux longs, qui te gen cheveux tressés. Alors utilise ce terme Dieu là, même connaît n'a parlé de cheveux tressés pour plus facile pour comprendre. Combien l'autre moun qui fameux dans Bible nous connaissons qui te gagne cheveux longs, cheveux tressés. Écris pour nous. Moi, je suis avec vous. Parce que ça, Paul dit, il n'y a pas de deal pour tout le monde. Moi, comme Israël qui soumet.
Samuel, merci en pile, Zami Mickenson. Samuel, on nous dit Samuel, 1 Samuel 1er. Samuel, effectivement, il était gay à Salon, alléluia, système Athéa. Alléluia. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Mounio remet en pile là. Il était gay chez le tressé. Exactement. Et nous prenons nous compte, tout même à montrer Paul de gay chez le tressé, chez le long. Paul qui t'a dit son et la dia. Paul pas vite dans un bagage qui sont loi. Non. Paul résout un problème qui t'a passé à Corée. En l'année dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9 à 11. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9 à 11. Anne. Nous connaissons Anne. C'était. Madame Elkana. Alléluia. Elkana, nous n'avons pas Madame Elkana. Denina avec Anne. Exactement, ça veut dire qu'il faut accepter ça. Tout Israël doit accepter chez Vétressé pour accepter le canal de Gué de Madame. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Mm-hmm. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège mm-hmm. près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Mm-hmm. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Anne t'a crié. Traversé dans verset 20 à 28. Anne t'a crié. Parce que Anne a un problème de stérilité, pas de café, petit. En on lit verset 20 à 28, le même chapitre. Là. Samuel, chapitre 1, verset 20 à 28. Dans le cours de l'année, pendant l'année, hein? Mm-hmm. Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Mm-hmm. Prophète Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison mm-hmm. pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel mm-hmm. et pour accomplir son vœu. Mm-hmm. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel y a accomplir sa parole. Mm-hmm. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Verset 24. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie, le sacrificateur. Mm-hmm. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Mm-hmm. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se posterne là devant l'Éternel. Ça veut dire cheveux Samuel pas de jambes coupées, cheveux Samuel a poussé, Samuel te gagne l'ox. Ce pas le prophète Samuel. Ou capable de dire voyant Samuel, nous dit ça là déjà. Ou capable de dire voyant Samuel. Eh bien, Samuel, c'est vœu ça qui se veut Naziréa. Maman te fait pour lui, mais je rasoir pas jamais passé sous tête lui. Samson, t'es gain cheveux longs. Prophète Samuel, ou du moins voyant Samuel, t'es gain cheveux longs Israël. Frère Mickinson, tu dis nous, Jean-Baptiste, nous connaissons les chrétiens, on aime Jean-Baptiste en pile. Et bien, pas j'aime pour nous si Jean-Baptiste a gagné cheveux longs. Jean-Baptiste est arrivé là, au courrier de Jean-Baptiste. Il dit, quand Rasta ça sorti, quand Nex ça sorti, à pile vieux cheveux, à pile bab ça, en nous lit pour Jean-Baptiste dans Luc 1er, verset 5. On a commencé dans verset 5, Luc 1er. Luc 1er, mm-hmm. verset 5. Du temps d'Hérode, mm-hmm. roi de Judée. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, oui. de la classe d'Abia. Sa femme était notre fille d'Aaron. Alléluia. Et s'appelait Élisabeth. Mm-hmm. Tous deux étaient justes devant Abaya, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Qui ça t'a fait au juste? Tous deux étaient justes devant Abaya, observant d'une manière irréprochable tous les commandements. Et toutes les ordonnances du Seigneur. Regardez, il était juste, c'est parce que tu as observé de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia, ni pour nous.
Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Abaya, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le pare-feu. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du pare-feu. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des pare-feux. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Nous donnez Jean. Consa après les Timoun, lui, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, je n'azirea, ni liqueur et ni vin. Alléluia. Ça veut dire, il pas boire du vin, il pas boire liqueur, il pas boire alcool, il pas jamais couper cheveux. C'est ça loi dit dans Nombre chapitre 6, fini pour nous. Verset 15, quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, il va boire du vin, ni liqueur et ni brode, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Qu'est-ce qu'il va gagner? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Qui sa loi te dit, dans Nombre chapitre 6, verset 6, il dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme Nombre 5, il dit qu'on s'avère cessé. Pendant tout le temps de son azirea, le rasoir ne passera point, tenez Israël, sur sa tête. Ça veut dire qu'il n'y a pas boire du vin, il n'y a pas boire alcool, il n'y a pas jamais couper les cheveux. C'est ça que fait Jean-Baptiste, tout le temps, il y a gros cheveux, l'autre, il y a marié avec l'autre, bien long, pour le bas Jean-Baptiste. Ma connaît. Je vais te dire, j'aime couper cheveux, c'est ça loi a dit. Vous lisez verset 15 là pour nous. Luc, chapitre 1, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni vote. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Alléluia. On a nous pensé, à 1 Corinthiens 11 pour nous, verset 14. Les Paul dit ça. Paul oublie Jean-Baptiste, grand-parent. Libye et Samson, grand-parent. Lui est Samuel grand-parent, lui est Absalom petit David. Chevel cap coquille. Et yon dou, Absalom lui-même, chevel ça te tellement long, te tellement gros chaque année, yon dou, al pèse chevel, mais longue cheveux, oui. Lui pour nous, 1 Corinthiens 11, verset 14. 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais Paul dit ça, c'est pour loi Paul Baye. Paul dit ça pour résoudre le problème qui t'a passé à Corinth. Exactement. Problème Tololo, monsieur a quitté cheveux pour bypassé, pour faire tant que femme. Pour quitter cheveux pour se faire l'autre, rester tant que garçon, gain tempérament garçon. Mais l'offre fait le tempérament femme ou efféminé, ou la gain dans Tololo, ou la gain dans épaule cassée, c'est là Paul qui fait dire son honte pour monsieur Corinth a agi comme ça. Mais Paul pas bailler une loi pour dire garçon pas gagner long cheveux parce que tout gros ancêtre Paul yo te gagne long cheveux, te gagne cheveux tressé. C'est vrai. Paul peut-être pas lui te faire vœu naziréa. Alléluia. Acte 18 verset 18. Acte. Paul peut-être pas lui te gagne long cheveux. Li, pas bien vœu a dit comme ça, dans période qu'on fait vœu naziréa, on pas jamais couper cheveux. Ou pas ca couper le que période l'arrivée. Si tu fais venir à pour 3 ans, pour 4 ans, ou dit pendant 4 ans, on va consacrer tes toits à Baya, mais pendant 4 ans, on va couper les cheveux. Quand 4 ans, on est capable de couper. Et c'est ça que tu as parlé de Paul dans acte 18, verset 18. Acte 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Après s'être fait raser la tête à son chevet, car il avait fait un vœu. Vous entendez? Les Paul qui à Chancré, Sister Marie, eh bien, il coupait les cheveux. Mais dans un premier temps, Paul était un gros cheveux long. C'est vrai. Gros lox Paul était dans la tête Paul. Quand il y a comprendre les Paul écrivant, il te dit ça pour les gens qui t'a fait tout lolo,
dans la communauté qui te trouvé à Corée Israël. Lis pour nous 1 Corinthiens 11, verset 15. 1 Corinthiens 11, verset 15. Alors, nous pensons même qu'il y a un chèvre qui est venu, l'autre, puis le chèvre dans la tête. Non, il est égaré, on a allé. 1 Corinthiens 11, verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ok. Le Paul dit cheveux fia, il gagne le pouvoir là. Est-ce qu'il dit fia pas de loi voilée? Lis verset 3 à 5 dans le même chapitre là. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Abaya est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ok. J'en ai dit un bon hiérarchie que pour la statue sous l'île là. Chef, qui est-ce qui est chef l'autre? Ah ben c'est chef Yahwacha, Yahwacha c'est chef l'homme, l'homme c'est chef femme. Bon symbole d'autorité, l'homme est marié ou doit voiler, t'es tout, c'est ça, texte là, dit, verset 6 et 7. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Parce que à Corinthe, les mesdames lui ont payé, fait bagaille, ça lui a coupé les cheveux. Pour dire, ben, bon, si nous ne voilons pas les têtes, nous, les temps qu'on devait couper les cheveux, nous, chevilles, à pas été loin, fini, vous entendez. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Vous entendez? S'ils sont honteux pour nous, pour cheveux nous raser, eh bien, voiler tête nous, c'est ça, Paul dit, mesdames, yo. L'elle dit, cheveux fiancés, voile là, c'est par rapport avec Marie-Li. Mais Paul pas dit, mesdames, yo, vous pas droit voiler encore. Nous pouvons profiter ça dans ça. Il toujours voiler tête lui. Il pas gagné droit déshonorer à pote là. Faut qu'il voile les têtes lui. Les là-bas pour te la paraître. Les là-bas pour te la paraître. Ça sont l'autre bagaille dans le champ. Bagaille pour ça, bagaille de nous. Il va retirer le voile là. Mais faut qu'il mette le voile lui. En présence côté que nous réunions. Et ça fait pour dire ces 7 là encore, lui pour nous. 1 Corinthiens 11, verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Abaya. Exactement. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. On regarde combien de monde qui te compte marie tête yo. On a dans Genèse 24, verset 65. Si madame prophète Tazadak, madame prophète Malakai, prophète Timothée, faut que yo voie les têtes yo en présence de prophète là. On avance. Genèse chapitre 24, verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Vous allez lui prendre voile là, lui couvrir tête lui. Alors nous pensons que Paul dit qu'on s'en a voile. Encore Paul oublie ça. Il a parlé de Rebecca là. Rebecca, exactement. Rebecca. Nous pensons que Paul oublie Rebecca et qu'on voile tête lui. Genèse 38, verset 14. Genèse 38, verset 14. Genèse 38, verset 14. Alors, elle ôta ses habits de veuve. Elle... Là, il y a parlé de Tama. Tama, qui est Tama Saté? Tama, c'était Madame Petit Judas. Et bien, elle pral mouri. Et bien, Judas pral bay deuxième petite l'ambassade génome, Lord Onan, pour prendre Tama pour l'été ensemble avec lui. Donc, c'est histoire ça raconter là. Donc, nous sommes capables de lire du chapitre pour nous comprendre ce que tu dis. Donc, eh bien, Tama, ça nous parle qui ça va le faire. Lis. Genèse 38, verset 14. Alors, elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit de voile. Elle couvrit de voile et s'enveloppa. Vous entendez? Elle s'assit à l'entrée de Naïm. C'est ça. Elle couvrit tête. Mais c'était tradition, nous pratiquons, nous, que tu es Israël. Paul pas dit qu'on s'est débrouillé un cheveu, non, qu'on n'a pas besoin. Voilé tête ou pas besoin de mal. Non, pas ça pour la parler. Nombre 5, verset 12. On commence dans Nombre 5, verset 12. Comprenez-le. Parole ça, c'est pas en nous lié.
parole ça c'est nous mêmes qui la donne. Parole ça c'est prophète Néhémie, c'est prophète Acha qui en donne. Parole ça c'est Elder Onilon, Elder Louis qui la donne, c'est Elder Emmanuel qui la donne. Pas de monde qui ka vinn di nous mais qui ça dans parole là parce que c'est Abba te dit c'est nous la bay connaissance pour qui comprendre ça qui dit dans parole là. C'est vrai. Nombre 5 verset 2, verset 12. L'Éternel a parlé à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme. On a le verset 18, qui ça l'a fait? Nombre 5, verset 18. Nombre 5, verset 18. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Ça veut dire femme, ça, il découvrit. Alléluia. Il découvre Israël. Pas de couvrir, il va le découvrir. Exactement. Il découvrira la tête de la femme. C'est sa tête là dit. Il découvrira la tête de la femme. Est-ce que vous comprenez? Paul pas de vini dit comme ça, mesdames, vous avez des cheveux longs, vous n'avez pas de voile les têtes. Ce n'est pas ça Paul t'a parlé. C'est Mia et Daloa. Ce n'est pas ça que t'a dit. Paul te dit ça, c'est pas pour avec problème qui te gagne à quoi un plan. Wa David te qu'on couvre tête li tout. On nous garde Wa David là et puis pour nous avancer nous pas trop loin fini. On allant Wa David, on allant 2 Samuel 15 verset 30 à 32. Mes amis, 2 Samuel 15 verset 30 à 32. David monta la colline des oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. David était tête découvrie en avancé. Et il marchait nu pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Ils couvrirent tête yo. Et il montait en pleurant. On veut dire à David: Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit: ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se posterna devant Abaya, voici Ushaï, l'archier, vint au devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, laissez ton doigt. Attendez, mais t'as vu notre grand-mère. Ça veut dire, couvre tête là, tête Maria, t'es là. Alléluia. Les prophètes Betsal, ils campaient. C'est pour Sister Aka, Sister Marie, c'est pour marrer tête tout. C'est vrai. Et pour bailler prophète la chambre, non. C'est sa texte là dit. Donc t'es chargé, cheveux tressés, t'es chargé, tête marée. C'est histoire, nous, c'est tradition, nous, Israël. Lis texte ça pour moi en créole, Exode 39, verset 28. Exode 39, verset 28, c'est bon. Exode 39, verset 28, Israël. Donc, Paul, pas bailler loi. Pas gagner, Paul dit qu'il loi. Son seul monde qui bailler loi, c'est Moïse, mais c'est Abba qui bailler l'autre pour bailler loi. Texte Paul, yo, yo pas texte de loi. Yo c'est des lettres, yo lettre li adressé à un groupe moun, li gon message bien spécifique dans lettre là. Donc ou pa ka vinn foure pou nan lettre là pour prendre pour dire lettre Paul. Nous te dit ça là déjà. Si m'écrit on lettre ba moun ka viv Delma yo, lettre ça c'est pour moun Delma. Bon, yo remet lettre comme ça bille ou un bill ka ou là tout pour bille là pour yo. Exactement. Ou al payer 200 $. Ou vinn nommer moi là avant lettre pour moi pour prendre ou l'île et lettre ou lié. Les Jacques 1er verset 1 dit: aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Bon, si vous ne faites pas partie des 12 tribus, sans à chercher dans Jacques. Virez tout dans les adventistes, dit: qui qu'on observe toute la loi, poche, pêche, contre le seul commandement. Jacques 2 10. Mais l'aide, ça, ça va l'adresser. L'aide l'a adressé à 12 tribus Israël. C'est ça, Paul t'a fait. Là-bas, pour vous mettre là. Exode 39 verset 28. Vous prenez trois fin blanc. Vous faites mouchoir tête là. A ganiti pou bonnet, yo pou moun reconnaître grad yo. Reviens encore pour nous. Exode 39, verset 28. Yo prend toile fin blanc,
yo fait mouchoir tête là à ganiti pour bonnet yo bonnet bonnet vous entendez yo pour qui est pour les vieux y a pas pour moun reconnaître gradio vous entendez yo fait mouchoir pour tête pour moun les vieux Israël donc c'est ça texte là dit pas monter comme ça sous texte yo Israël et l'aime dit Israël m'a parlé de chrétien yo sous texte que Paul écrit sous lettre Paul écrit ça fait Pierre dit nous on dit ça pour nous dans 2 Pierre chapitre 3 2 Pierre chapitre 3 exact va qu'à monter sous le Pierre pour le comme ça en seconde 2 Pierre 2 Pierre chapitre 3 verset 15 croyez que la patience Israël a pris dans 2 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 3 verset 15 croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Il y a des points difficiles à comprendre dans les textes de Paul. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. On dit qu'on s'agace ou pas qu'il doit avoir long cheveux. On dit qu'on parole là. On dit qu'on s'achève les filles à ses voiles. Et pas ça pour la bien. On lit un dernier texte. On a pris trois derniers textes. Ézéchiel 44, verset 18. Créole. Ézéchiel 44, verset 18. Trois derniers textes, mon fils. Ézéchiel 44, Israël. Et on a pris verset 18. Ézéchiel 44. Ézéchiel 44, verset 18. Comme ça, le pape, j'aime souhait. En parlant de sacrificateur, les vieux. Il y a ma tête avec gros mouchoir. Fait à toile faible. Il y a ma tête avec mouchoir qui fait à toile faible. Quand il y a si yo ta oué, pour faire la kiba vine dans la fouetude, depuis tête qui marie avec mouchoir blanc, il dit oh, mais cause, maçon loge, maçon ceci, nous pouvons comprendre. Chrétien a parlé pour y aller habiller tout en blanc les Jésus vini. Mais c'est dans le ciel là on va le faire ça. Et pas sous terre. Voilà. Nous ne pouvons pas comprendre rien. Oui, pour nous. Ézéchiel 44, verset 18. Comme ça, il n'y a pas besoin de souhait. Il y a marre tête, tu as gros mouchoir fait entre actual fin blanc. Nous entendez? Il y a marre tête nous avec mouchoir qui fait actual fin blanc. Li. Il y a mettre pantalon fait actual fin blanc sans ce petit rond. Nous entendez? En vrai, on sortit dans gros la cour. Alléluia. C'est pour yon été rat qui était sous yon, les autres de service, dans le temple. Alléluia. Alléluia. Donc, Israël, moi souhaite nous bien comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nan, ça nous est, nous avons appelé les 10 qui dans le texte là, c'est pas ça que la donne. Paul pas venir avec yon loi, côté que le dit garçon par yon a des cheveux longs. Il pas venir avec yon loi, il dit mesdames, yon par yon a marié tête parce que. Et cheveux assez voilés et bouillons, c'est pas de ça Paul t'a parlé. Paul te dit ça, c'est pour te résoudre un problème qui t'a passé, qui t'a traversé dans la communauté israélite. Ça, nous, ouais, qui t'a trouvé à Corinthe, qui c'était une ville grecque, après qui t'a traversé, côté que Roméo t'a pas dirigé ville ça. Nous allons finir la Bible de texte. Ésaïe 29, verset 11 et 12. Le nous, ouais, apôtre Daniel, prophète Timothée, Elder Matthieu. Pour faire Malakai, pour faire Akiba, et Boregas, monsieur Vinci t'a présenté étudio. Donc, c'est pas, et comme ça, oui, tout fait, c'est esprit à Baya Kapaji. En oui. Aïe. Ésaïe 29, verset 11 et 12. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela. Et qui répond je ne le puis, car il est cacheté. Verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Nous entendez? Parole ça, son livre qui est cacheté, qui est scellé, et pas n'importe qui a venu pour décacheter. Il faut que son Israël, et c'est un bayak à bon connaissance là, pour faire ça, pour permettre que nous comprenions ça qui est là. Et c'est ça que fait dans Daniel. Chapitre 12, verset 10, Abba a te dit, Paul Saskibaouk Van Laïa, pour nous mettre un thème dans la présentation. Ça. Daniel 12, verset 10. Daniel 12, verset 10, Israël.
Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Plateforme ça arrive. Héritage de Jacob. Il y a tête li. Apôtre Daniel. Puis il y a un paquet gros Elden. Il y a un paquet gros jeune garçon, gros bout de femme qui campait derrière elle. Non pas c'est prophète Barak. Bonne là, ya. Bon côté de gagner. Scribe Barouk, bonne là, ya. En nous, partagez live là. En nous sur Facebook, en nous sur YouTube, nous. Like page Héritage de Jacob là. Pas oublier page Ozaya. Osez musique là, en nous like page Ozaya, Osez musique là, Israël, et puis écris-nous, en mettant nous ensemble, nous avons un village là que nous avons construit, c'est là où nous allons pour nous commencer, faire pratique dans l'observation, loyaux Israël. Merci tout le monde, shalom, shalom, shalom. Rendez-vous cassé demain si à Bavé avec prophète Malakai, prophète Akiba Bodegastin. Shalom tout le monde, shalom, shalom Israël.